Bonjour, bonsoir. J'ai vraiment envie de vous présenter aujourd'hui l'oracle guérison de l'âme de Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. Il est tout petit, mais costaud, très costaud. Il y a 44 cartes qui sont magnifiquement illustrées. Et comme le suggère l'auteur, je vais tirer une carte. Elle propose, elle a une connexion avec les anges suite à un accident et elle propose des enseignements et les précieux messages des anges. Alors, vous allez voir comme ce travail est magnifique pour vous aider. Imaginons, vous êtes, c'est le temps de midi, vous avez envie d'une petite carte au boulot. Alors, ou en rentrant du boulot, tiens, je vais me prendre une petite carte. Une carte réconfort. Quel est le message pour toi ici maintenant, toi qui écoutes la vidéo avec l'oracle de la guérison de l'âme? Voilà. La séparation. Je me libère et me guéris de nos liens. Alors on parle de séparation avec une personne, des personnes, il y a puzzle qui éclate. Donc en fait, et on voit des éclairs. Donc une situation n'est plus possible. N'est plus possible. On voit il y a deux alliances. Une va à gauche, une va à droite. Quelque chose n'est plus possible. Attention, alliance ne veut pas dire conjoint nécessairement. Il est nécessaire, quand vous tirez une carte, d'avoir du recul, de vider votre esprit et de la regarder. Il y a un puzzle. Et ce puzzle éclate. Mais le puzzle, on peut le reconstruire. On peut le reconstruire et s'engager d'une autre manière dans notre vie avec d'autres personnes. Il peut effectivement s'agir d'une personne très proche de ton entourage, conjoint, enfant, parent, famille, boulot. Donc ça peut être aussi, ce n'est pas nécessairement ton amoureux, ton amoureuse, mais cela peut être aussi au travail. Donc prenez du recul quand vous tirez les cartes. Cool. D'accord? Aujourd'hui, vous allez voir, c'est formidable son texte. Un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Ça nous arrive à tous. Hein. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et de me réaliser pleinement. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et c'est pour cela que je dois effectuer des choix. Et alors là, vous allez voir, nous allons faire l'exercice ensemble. Elle propose une libération, Virginie. Fermez les yeux. Prenez trois bonnes inspirations, puis répétez trois fois cette phrase. Allez-y. Inspirez, soufflez, relâchez toutes les tensions. Inspirez profondément, allez-y. Retenez votre respiration et lâchez. Inspirez profondément. On retient et on lâche. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de toutes les transformations ou situations toxiques, ici et maintenant. Ensuite, elle propose un diamant, une transformation. Fermez les yeux, prenez trois bonnes inspirations. Répétez trois fois cette phrase. Allez-y, inspirez, retiens, on souffle. Inspirez, on retient, soufflez. Inspirez, soufflez. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant.
Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Laissez les personnes ou situations négatives pour avancer sur son chemin. Il est magnifique. Il est magnifique parce qu'il te suggère une intégration, une signification, une libération, une transformation. Je vais te montrer également le travail d'Isabelle Leboeuf qui est magnifique. Ce sont vraiment de beaux dessins. Je vais te mélanger. J'aime bien le hasard. Régénération. Je renouvelle mes cellules. Je remontrerai encore un texte à la fin. Les flammes jumelles qui se réunissent. Regardez comme c'est joli. Les âmes sœurs. Avec le petit texte à chaque fois. Le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure. L'incarnation, je suis ici pour incarner mon essence divine. Regardez-moi comme c'est joli. Comme d'habitude, je ne vous en montre que quelques-unes pour que vous puissiez profiter de la découverte. Il n'y a rien de magnifique quand on découvre son cadeau. Donc, je ne vais pas vous montrer tout le cadeau. L'humiliation, je retrouve ma place. Pointe du doigt, mais non, parce que tu écoutes ta voix intérieure. Quels que soient les avis des autres, tu t'écoutes et tu te reconnectes au dauphin. Tu retrouves ta paix intérieure. Et là, vous voyez, les couleurs sont plus sombres. Et je termine par cette carte, la source, se reconnecter à ta source, à ton ange. Et je vais... Il y en a encore plein, hein, plein de cadeaux pour toi. Il est magnifique, je vous le conseille et je vous montre le 33, je ne lis plus. 33, j'ai une fréquence vibratoire lumineuse pour toi. Avec toute mon affection pour toi, je t'envoie de merveilleuses vibrations et je te souhaite beaucoup d'amusement avec cet oracle guérison de l'âme. Il coûte, j'ai oublié de vous dire, ah ben il n'y a pas le prix, ah si, 23,90€, 23,90€ pour les Belges et les Suisses. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt, merci d'être là, bisous.